vois que tu es encore là, c'est forcément parce que tu as envie de gagner ton premier match. Tu as dû monter ton équipe avec les conseils que je t'ai donnés la dernière fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment nos choix collectifs se traduisent sur le terrain. Et pour l'occasion, tu as dû le remarquer, j'ai sorti la chemise. L'important dans FUT, c'est de bien prendre conscience des points forts de son équipe. Vous l'aviez vu pour moi, c'était mon flanc droit composé des 4 Argentins. Donc logiquement, sur le terrain, je vais devoir m'appuyer sur ces joueurs. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est changer le nom de mon club et dites bonjour au braqueur. Allez, allez, les gars, on y va, on va mettre des buts maintenant. Bon, on reste concentré, on va aller chercher notre premier adversaire. Je vous rassure, il y a 90% de chances pour qu'il soit beaucoup plus fort que nous. 10% pour qu'il soit aussi faible que nous. Roulement de tambour. Priez avec moi, les gars. Yes! Il a démarré en octobre 2013. Les gars, il est comme moi, on a toutes nos chances. Alors, le FC Gangsta, pas mal le nom de l'équipe. 73 de collectif, ouais, c'est un petit peu mieux que moi. Il a quelques joueurs bronze. Je crois que lui, il a déjà ouvert des packs. Hein. Un côté gauche assez ronflant. du vert. C'est bien ce qu'il a fait, le gars. Et puis un 4-4-2 aussi. Pas mal. Bon choix. Je préfère le 4-1-2-1-2 quand même. Par contre, je crois vraiment que j'aurais dû changer de maillot. Allez, à gauche, on a les gangstas. À droite, les braqueurs. Une belle affiche. Je crois qu'on est parti pour 12 minutes de plaisir. Ouais, c'est bien. On va tout de suite tester mes Argentins, là, voir si ça fonctionne. Ouais, plutôt pas mal. C'est bien. Ça vient d'eux, là. Oh, petit. Oh là là. La combinaison. Non. Oh oui, je l'ai vu. Allez. Ah, celle-là, je peux pas la rater. Je peux pas la rater. Mais pourquoi? Allez. Oh là là. Quoi? Quoi? Mais quoi? Jaune! Jaune! Mais il a quoi dans les yeux, cet arbitre? Jaune! Mais même pas, regarde, il le touche même pas, c'est lui qui me rentre dedans! Oh là là là, 0-0 quoi. Ah, 3 tirs, 3 cadrés, lui il a qu'une frappe, même pas cadré. J'ai la possession, j'ai tout quoi. Pff, oh là, et je redonne des ballons, et en veux-tu, et en voilà. Mais! Oh, il y va pas! Allez! Mais oui! Tout seul! C'est ça mon gars, allez dans mes bras! Dans mes bras, allez, viens! Quoi? Quoi? Numéro! Mais non! Mais arrête! Mais sur quoi? Mais en Angleterre, on siffle pas ça! Arrête tes bêtises! Et voilà, on est à 10 maintenant, on est à 10 quoi. Comment je vais faire? Oh là là, si je fais pas le con! Si je fais pas le con! La patate! La patate! Même à 10! Et bon, mais oui. Ouais, il est en train de craquer là, je le sens. Il est en train de craquer, mais oui, il est en train de craquer. Allez, viens, viens. Et voilà, dans le vent. Allez. Oh, faut arrêter, il allait tout seul. Il y allait là. Là, il partait au but, monsieur l'arbitre. On intervient. Monsieur l'arbitre. Voilà. Justice. Ouf. Oh, j'ai chaud. Oh là là. Oh, merci, gardien. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Oh là là. Non. Oh là là là, c'est fini. C'est fini. C'est... Valentini. Ça y est, c'est fait. Pour vous, les mecs. C'est pour vous, ça. Alors là, on est dans les notes du match. Et vous le voyez, mes Argentins sont les joueurs les mieux notés. Germano qui a fait un match exceptionnel, 8,4. Et mon attaquant, l'homme du match, 8,9. Un doublé, au passage. Même constat pour les passes. On remarque que les joueurs qui ont été le plus disponibles sont toujours ces fameux Argentins. Ce qu'on doit retenir de ce premier match, c'est qu'il faut toujours privilégier le collectif à l'individuel dans FUT. Il sera plus profitable d'aligner des joueurs qui s'entendent bien sur le terrain plutôt que des joueurs ayant une bonne note générale, mais qui seront isolés. Je compte sur vous pour enchaîner les matchs. Faites-moi plaisir, allez gagner quelques crédits et la prochaine fois, je vous donnerai des conseils pour en gagner encore plus. Allez, ciao. Yeah.